Alors, je m'appelle Julie, j'ai 20 ans. J'ai obtenu en 2017 un baccalauréat scientifique. Et ensuite, je me suis orientée sur une licence génie civil, donc en faculté. J'ai fait qu'un an et après, je me suis réorientée. Et donc là, actuellement, je fais une formation en travaux publics en bac pro, donc en alternance. Et donc, j'ai une entreprise à côté de chez moi et ça se passe très bien. J'ai choisi le secteur donc, du travaux publics parce que j'aime beaucoup. J'ai toujours été dans le bâtiment et le travaux publics, donc de par mes relations familiales. Et j'aime beaucoup voir la ville, ou que ce soit chez des particuliers donc, ou en chantier privé, donc ou public, voir les choses s'améliorer, évoluer, j'aime beaucoup ça. Alors actuellement, je suis en bac pro, donc, mais seulement sur un an, parce que je suis ici une remise à niveau, donc parce que j'avais pas du tout d'expérience avant dans le domaine du travaux public. Mon objectif ensuite, c'est de poursuivre sur un BTS travaux publics, donc toujours en alternance. Et ensuite, j'ai perspective d'être donc dans les bureaux, pas sur chantier, et de m'orienter vers dessinateur, projeteur ou peut-être conducteur de travaux, des choses comme ça. Alors, pour convaincre une fille de venir dans le travaux public, je dirais que d'abord, en tant que femme, c'est vraiment pas un secteur qu'on choisit par dépit. Donc, il faut avoir une motivation vraiment en fer. Et du mental aussi, parce qu'avec on travaille quand même avec une majorité de garçons et c'est quand même pas simple tous les jours. Du mental, de la motivation à fond et ça ira. Alors, j'aurais tendance à dire oui, absolument. C'est vraiment pas un métier qui empiète sur la vie personnelle qu'on peut avoir. Après, bon, chacun est différent, mais c'est vraiment pas prenant quand on rentre chez nous le soir. On n'est pas du tout au travail. Après, bon, on est jeune, donc voilà, forcément. Mais on peut avoir une activité physique, on peut avoir des sorties entre collègues. C'est vraiment pas empiétant. Et, après, oui, on peut aussi plus tard avoir une vie de famille, vraiment être nous-mêmes, quoi. Il n'y a rien de gênant qui empiète sur notre vie personnelle.